La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, les esprits montent. Les affrontements, n'en parlons même pas. La situation, moi je demanderai, quels sont les dessous des cartes lorsque la MONUSCO aujourd'hui, la mission de la MONUSCO était depuis longtemps, et surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais c'est aujourd'hui, ils décident de faire l'opération conjointe qu'on appelle Spring Book. C'est pour quelle fin? Quels sont les dessous des cartes? Depuis longtemps, ils étaient où? Quant à la situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais sans oublier que le secrétaire Antonio Guterres avait dit que le M23 ont des armes les plus sophistiquées, que eux-mêmes, la MONUSCO bien l'ONU, ne détenait même pas. Mais aujourd'hui, quels sont les dessous des cartes? Fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision, nous allons en parler. Nous allons en parler avec ce grand homme, M. Espoir, qui séjourne depuis à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons promis qu'à chaque fois, il y aura d'actualités. Nous allons prendre ces grands messieurs et partager ces actualités avec vous. Parce que je vous signale que l'EAC décide d'attaquer les Wazalendo. Mais l'EAC, qui sont la force étrangère dans la terre des Congolais, les patriotes, les Wazalendo, les fans de leur terre, mais les étrangers décident d'attaquer les patriotes. Quelle serait la situation? Monsieur Espoir, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale, internationale. Si nous parlons de cette situation parce que les Congolais de partout sont en train de nous suivre, les diasporas, même ceux de l'Est et de la République démocratique du Congo, même ceux de l'Afrique du Sud, partout en tout cas, Somalie, Angola, partout, sont en train de nous capter à ces nets moments la situation de l'Est et de la République démocratique du Congo. Cette opération conjointe, Spring Book, pour quelle finalité? En fait, nous devons comprendre, je l'ai toujours dit, la guerre a toujours eu des étapes en étapes. Mais pour nous, du fait que la MONUSCO accepte aujourd'hui d'aider la RDC, c'est comme qui dirait une chose et son contraire. La MONUSCO a été démasquée par les jeunes résistants d'autodéfense Wazalendo qui ont mis à nu les mensonges qu'avait dit ce vieux Antonio Guterres. Vous avez suivi comment est-ce qu'il avait dit que la MONUSCO est lourdement armée, plus qu'eux-mêmes. Alors, est-ce qu'ils vont accepter de combattre les personnes qui ont des armes que eux n'en disposent même pas, voyez-vous. C'est que moi, je crois que cette opération, c'est quelque chose qui vise à distraire la République démocratique du Congo, mais aussi c'est une chose qui vise non seulement à distraire l'opinion, mais aussi à faciliter la prise de Goma par ces terroristes rwandais RDF 123. Je ne suis pas prophète de malheur, mais nous, la population, nous restons fixes et nous restons debout sur notre position. Nous ne voulons plus voir la MONUSCO chez nous, et nous n'allons pas cesser de combattre pour notre pays. Lorsque vous demandez que la MONUSCO parte, mais le président de la République avait demandé que le départ de la MONUSCO vienne avant, ça commence peut-être à ses fins d'année, mais la MONUSCO directement il signe cet accord. En fait, vous savez, cet accord, comme je l'ai dit, vise à protéger la population civile et protéger la ville de Goma. En fait, la ville de Goma, c'est une ville très, très stratégique et une ville très, très importante pour la RDC. Sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan diplomatique. Mais même si la MONUSCO acceptait aujourd'hui, la question qu'il faut se poser est de savoir, la MONUSCO était où avant que les M23 ne puissent prendre Bunagana, ne puisse prendre une partie de Nyiragongo, ne puisse prendre une partie de Rutshuru, ne puisse prendre une partie de Masisi. C'est qu'aujourd'hui, nous comprenons que la MONUSCO a fini par prendre nos autorités comme des petits-enfants. La MONUSCO accepte de piétiner notre souveraineté au vu et aux yeux de tout le monde. Mais moi, je pense que les autorités doivent être très vigilantes, surtout quand il s'agit de cette volonté émise par la MONUSCO de nous aider. Puisque la MONUSCO a travaillé pour démoraliser la population congolaise. Et la MONUSCO a travaillé pour nous intimider, que nous puissions fuir chez nous et laisser la place aux 1-23. Aujourd'hui, c'est cette même MONUSCO qui vient pour nous dire « Non, nous voulons vous aider à sécuriser. » Vraiment, je me demande pourquoi cette charité, pourquoi cet amour exagéré de la MONUSCO. La MONUSCO, pour nous, nous risquons de vivre la situation que les Rwandais avaient vécue dans les années 90-94 par la mine noire
à Kigali. Ben parce que nous regardons la situation, la MONUSCO a frappé, il a tiré sur la population. La MONUSCO était là depuis longtemps, il regardait la situation avec les rebelles de M23, mais n'entrait pas. Aujourd'hui, la MONUSCO, est-ce la MONUSCO parce qu'il a vu que le chef de l'État avec les autorités congolaises ont précédé le départ, c'est pourquoi il signe des accords pour peut-être enfreindre cela. Est-ce que c'est une situation que là, le gouvernement congolais aurait accepté? En fait, moi, je ne partage pas la philosophie de la MONUSCO, que la MONUSCO puisse nous aider, nous, la population, la société civile. Vous nous avez vu d'ailleurs avec le président de la société civile. Nous nous sommes opposés à ça puisque nous ne les voyons pas dans les bons sens. Nous croyons que cette opération, c'est pour nous distraire uniquement, point barre. Mais je pense aussi, les autorités ne sont pas des bêtes, moins encore des enfants. J'ose espérer qu'ils sont en train de réfléchir sur des actions à mener. Et je crois, vraiment avec un cœur ouvert, je pense qu'il y aura des actions que le gouvernement va prendre. Surtout, si le gouvernement ne prend pas des mesures, la population va prendre des mesures elle-même. Et si, imaginez, si nous, on parvenait à prendre des mesures nous-mêmes, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous exigeons les départs de la MONUSCO. La MONUSCO aujourd'hui montre cette bonne foi, c'est uniquement vouloir se racheter, c'est uniquement vouloir se donner une valeur ajoutée. Mais qu'est-ce qui ne fait pas croire à la population que cette MONUSCO qui collabore avec les M23 à Kiwanja ne va pas encore collaborer avec les M23 pour prendre la ville de Goma? Puisque si on prenait la ville de Goma, il y aura nécessité de la MONUSCO. On va penser que la MONUSCO soit là, voyez-vous. C'est que la MONUSCO peut tout manégancer pour que Goma puisse tomber, afin qu'il puisse avoir qu'est-ce qu'il va dire, mais aussi quelque chose qui va pousser à la population de haïr les autorités. C'est pourquoi j'appelle toujours à la vigilance, que la population, nous puissions savoir les mouvements entrés et sortis de la MONUSCO, puisque celui qui t'avait trahi te trahira toujours. Celui qui t'avait trahi te trahira toujours, parce que moi, je me demande à ce net moment, quelle serait ou bien quelle sera la part de Wazalendo? En fait, vous devez comprendre d'abord, les Wazalendo sont des fils du terroir, sont les enfants du Nord Kivu, sont les enfants de la RDC qui combattent pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. C'est que les étrangers n'auront même pas le monopole pour que nous puissions sauvegarder notre territoire. Aucun Mukenya, aucun Sud-Soudanais, aucun Sud-Africain, aucun étranger n'acceptera de mourir pour le Congo. C'est que nous devons incarner toujours cet esprit révolutionnaire et cet esprit du sacrifice suprême. Même s'ils sont là, qu'ils prennent des accords, autre chose, on ne peut pas baisser garde. Si on se dit on baisse garde puisque la MONUSCO a en fait accepté, l'EAC peut changer aussi le comportement, je ne sais pas qui, ça peut être une manière de nous affaiblir. C'est que nous devons rester toujours debout et combattre pour l'intégrité de notre territoire. Nous devons rester debout et combattre pour l'intégrité territoriale. Nous prenons cette deuxième thématique aujourd'hui. L'EAC a fait un point de presse, l'EAC a adressé un communiqué en disant qu'il va attaquer les Wazalendo. En fait, j'ai suivi, c'est un officier ougandais, facilement vous comprenez, c'est un ougandais. Et cet officier ne peut que préserver les intérêts de leurs partenaires. Puisque si Kagame existe, Kagame c'est le fruit de M. Museveni. Et je ne vois pas un enfant de Museveni qui peut contredire Kagame, moins encore ne pas suivre les intérêts de M. Paul Kagame. Du fait qu'ils disent qu'ils vont attaquer les Wazalendo, mais ils l'ont déjà fait dans les Kanyama Oro, ils l'avaient fait. Ils ont fait ça à Kinyandoni. C'est que pour nous, ce n'est pas quelque chose que nous venons d'apprendre, c'est quelque chose que nous connaissons. Plutôt, ils viennent maintenant là d'officialiser les attaques qu'ils ont toujours menées contre les Wazalendo. Mais attention, du fait qu'ils ont dit cela, ça nous arrache davantage, ça nous motive plus pour que nous puissions combattre pour notre territoire. Puisqu'on comprend maintenant que l'EAC officialise sa position. Et la position de l'EAC, c'est être du côté de l'ennemi. C'est que la population congolaise, nous qui vivons dans la ville de Goma, soyons debout et prêts. L'EAC, la MONUSCO et les M23, plus l'armée rwandaise, la communauté internationale, font partie de nos adversaires. Mais nous devons leur avertir en leur disant que nous sommes les souverains primaires. C'est à nous de décider sur notre territoire. Nous n'allons pas reculer, même pas d'une seule semelle. Nous allons combattre jusqu'à ce que nous allons bouter
l'ennemi dehors. Vous allez combattre jusqu'à ce que vous allez buter l'ennemi dehors. J'ai déjà appris que le jeudi de la semaine qui commence, il y a déjà des manifestations que vous organisez à Goma. En fait, vous savez, moi, je ne suis pas à Goma, je suis loin de ma ville. Mais je pense que les amis qui sont là, ils se réunissent et ils sont en train de préparer quelque chose. C'est que nous attendons d'abord qu'ils puissent finir la réunion et confirmer si c'est ce jeudi ou bien le jeudi prochain. Ce qui est sûr, que la population reste toujours debout, puisque les actions de grande envergure vont commencer dans quelques heures ou bien dans quelques jours ici. Dans quelques heures et dans quelques jours, nous allons regarder cette situation. Monsieur Espoir, les étrangers se décident de combattre les patriotes. Les banamboka, comme nous disons, banamboka, on va se bouger la patrie na bango, mais les étrangers décident de tirer sur les banamboka. En fait, nous devons comprendre, d'abord, à part que ces propos soient incendiaires, mais aussi provocatrices, mais pour nous, l'essentiel, qu'ils disent qu'ils vont venir même avec Satan de Poutine, nous n'allons pas reculer en arrière. Qu'ils se préparent comme on se prépare, à la guerre comme à la guerre, nous sommes chez nous. Et nous devons protéger notre territoire. On le disait depuis la nuit des temps que l'EAC fait partie de nos agresseurs, de ceux-là qui se battent pour que le Congo soit balkanisé. Certaines personnes ne nous comprenaient pas. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre. Moi, je pense que notre morale doit rester toujours au zénith. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, on se prépare. Nous avons tout, la nature nous a tout donné pour barrer route à toute velléité. C'est que qu'ils disent ce qu'ils veulent, nous, on est prêts. Et on est prêt à en écoute. On est prêt à en écoute. Je pense que ça serait peut-être une dernière question. Mais est-ce aujourd'hui, quel message peut-être adresserait au gouvernement congolais, aux autorités congolaises et même au président de la République? Parce que l'EAC où nous avons trouvé refuge, East Community Africa, c'était quelque chose qu'on a vu comme une bonne région. Nous sommes allés. Et maintenant, est-ce qu'il faut, quitter? La question liée à notre présence à l'EAC, en fait, au début, c'était une bonne chose. Et jusqu'à maintenant, c'est toujours une bonne chose. Ça, il faut qu'on le précise. Parce que l'EAC n'est pas seulement sécuritaire, mais aussi c'est commercial, voyez-vous. Le sérieux problème seulement avec l'EAC, c'est que quand nous sommes venus dans l'EAC, nous sommes devenus des épines pour les intérêts de certaines personnes. Parce qu'il y a les accords. Un pays membre de l'EAC ne peut pas attaquer un autre pays membre. Quoique le Rwanda viole cela, mais nous allons faire la guerre à l'intérieur de l'EAC. Ce n'est pas prudent de quitter l'EAC. Excusez. Il faut toujours rester dans l'EAC en faisant la guerre. C'est que nous devons nous imposer au sein de l'EAC. Nous sommes les géants d'Afrique. Nous sommes les géants de la région des Grands Lacs. Nous devons nous imposer. Moi, je pense que l'essentiel, c'est que je peux dire à nos autorités, vous devez être prudent pour que vous ne puissiez pas tomber dans le piège qui va vous pousser à être haï par votre propre population. Parce que l'ennemi cherche sur tous les plans, que ce soit diplomatique, que ce soit où, il cherche qu'il y ait un soulèvement populaire dans notre pays. Et ce soulèvement populaire, c'est imposer les autorités la chose que la population ne va pas accepter. C'est ce qui va créer un soulèvement populaire. Mais je pense que les autorités, ils ne réfléchissent pas moins, comme la population ne réfléchisse pas moins. L'essentiel, que nous soyons unis entre la population et les autorités. Nous sommes à mesure de barrer route aux velléités occidentales comme aux velléités de M. Kagame. C'est si et seulement si on acceptait de nous réunir et mettre notre intelligence ensemble pour que nous puissions barrer route. Allez, que vous soyez de l'opposition, de la majorité, apolitique au moins, que vous soyez de telle ou telle autre structure de la jeunesse, mouvement citoyen, société civile, nous devons comprendre la maman nationale qui est l'héritage commun que Mouzé nous avait légué, que Lumumba nous avait légué, Kimbangu, Mobutu et les autres, que nous ne puissions pas perdre notre héritage commun. Soyons unis face à cette agression, ça ne choisit pas, c'est toi opposant, c'est toi majorité. Cette agression vise la population congolaise et vise la terre de nos ancêtres. Nous devons nous réunir, nous mettre ensemble pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Un mot de la fin en Swahili. Tuna mi opilasyo ya vile ya Goma tusimame, tusikwe ba yuma, tusimame juu kuona hii Monisco kuitika leo kama na kia tusaidia kwa karte deriere hile biyote. Asena seme tanza kubanisha ba jene tu ba zalendo, metunambia ba jene hakuna kurudia nyuma tunenda mbele mpaka tutia adui inje. Asena kuseme tatuatake, inakia confirmer
gisi na atakaka tu ba jeune résistant wazalendo bali pa vita nabo kinyandonyi baka tata tena ba atake mubwiza twa rayo tete tunabambia tusimame tusisinzie hii ni wakati ya kusomea inchi. Voilà, un grand merci à Monsieur Espoir. Je pense que dans 48 heures, vous allez regagner Goma. Dans 48 heures, tout au plus que vous allez regagner Goma. Je pense que yo, et ça reste encore peut-être un numéro qu'on va vous prendre ici à Kinshasa avant que vous regagniez la ville de Goma. Et c'est, ça sera peut-être ce dernier numéro que nous allons demander que vous puissiez saluer nos frères qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais pour l'instant, on est encore avec vous. Ça reste encore un numéro et on se retrouve pour ce dernier numéro ici à Kinshasa. Merci. Merci beaucoup.